Bonjour, promotion de l'université d'hiver Aquadomia à Cozumel. Ne perds pas temps, oui, progresse avec Aquadomia. Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques, toute l'année, et aussi lors de l'université d'hiver dans les Caraïbes, et en l'occurrence avec Dune Mexique à Cozumel, sur l'île fantastique de Cozumel, un vrai paradis de la plongée. Donc ça, c'est au premier trimestre de l'année, hein, c'est-à-dire janvier, février, un peu sur Mars. Et là, je vais vous parler de l'université d'hiver 2023, déjà faire un petit bilan de l'université d'hiver 2022. Alors, qu'est-ce que c'est que l'université d'hiver? C'est un concept de formation, hein. C'est pas un voyage plongé. Si vous venez avec nous pour l'université d'hiver, c'est bel et bien pour vous former. Les exemples de formation qu'on a pu réaliser, on a fait de la préparation d'instructeur, la préparation à l'initiateur, préparation à l'instructeur tech, on a fait de la formation niveau 3, de la formation niveau 4, avec des séjours formation qui sont minimum de 2 semaines. On peut aussi faire une semaine, mais c'est un petit peu juste. Personnellement, je préfère recommander des formations sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire 6 semaines, si vous voulez faire un cursus complet en partant du débutant pour devenir dive master. Et donc, l'université d'hiver à Cozumel, c'était la première année en 2022. Au préalable, je faisais des universités d'hiver en Martinique et je peux vous dire qu'on se régale. Déjà, on a des conditions d'accueil au sein de Dune Cozumel. Là, je suis sur la terrasse du centre, hein, qui est un très beau centre, qui est vraiment superbe. C'est pour ça aussi qu'on entend un peu de bruit, hein. On est directement sur la corniche. Vous voyez la mer et les cocotiers, les palmiers derrière moi. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié à Cozumel, c'est un, les fonds qui sont superbes. Attention, ils sont surprenants par le courant, hein, le courant qui vient du sud vers le nord. Donc, il faut savoir que toutes les plongées, quasiment, sont des plongées dérivantes. On n'a pas un bateau qui mouille et il peut y avoir un courant qui est très, très rapide. Sur les qualités de plongée, donc à cette période-là, l'eau est à 27 degrés, hein, donc plutôt des bonnes conditions. Personnellement, j'y étais en shorty. Les plus frileux mettront une intégrale 3 mm, voire 5 mm. Mais en tout cas, l'eau est très agréable. En ce qui concerne les conditions climatiques, on a des conditions climatiques voisines de la Martinique, mais un peu plus fraîches. Moi-même, je me suis fait surprendre, donc autant avoir quelques t-shirts manches longues et une petite veste pour les rares jours où il fait un peu plus frais. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié à Cozumel, c'est l'univers du Mexique avec une grande sécurité, hein. C'est parce que, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dès qu'on parle Mexique, on a tout de suite un peu peur quand on entend parler des cartels, etc. Ici, on est sur une île, c'est touristique, il y a vraiment très, très peu d'insécurité. Hein, on se sent vraiment en sécurité ici, en tout cas. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est un monde de service. Les Mexicains sont très accueillants. C'est une île qui est tournée vraiment sur le tourisme. Et donc, on a vraiment pléthore d'offres, aussi bien en termes de logement qu'en termes de biens de consommation de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment super. Ce qui est vraiment exceptionnel aussi, c'est, je parlais de qualité des fonds tout à l'heure, c'est la visibilité, hein, qui est vraiment surprenante. Vous verrez des images en fin de vidéo. Donc vraiment, l'université d'hiver, c'est vraiment super de venir ici. Comme je vous le conseillais au préalable, venir plutôt sur des durées longues pour pouvoir profiter le week-end. Le week-end, il est toujours off, de visiter l'île et éventuellement faire une expédition sur le continent. Mais je vous invite vraiment à goûter la vie des îles, c'est vraiment super. Que ce soit pour faire la découverte de la faune spécifique, hein, on a le raton laveur nain de Cozumel que l'on peut voir très facilement en allant vers le nord de l'île. On peut aller voir les alligators un peu plus difficilement là vers le sud, enfin vers l'est, le côté est de l'île. Il y a un temple maya qui est à voir, il y a le musée. En spécificité, en plongée, on a bien sûr les raies léopards, le requin nourrice, le poisson crapaud de Cozumel, qui est vraiment superbe à découvrir. Moi, personnellement, j'ai fait chou blanc cette année, mais j'espère que l'année prochaine, je le trouverai. Il paraît qu'une fois qu'on en a vu un, on en voit partout. Et voilà. Alors, pour 2023, qu'est-ce qui va se passer? En nouveauté, il y aura des formations d'instructeurs tech TDI qui vont inclure une formation CAVE dans les cénotes.
Donc ça, c'est une formation qui va se faire sur un peu moins de 2 semaines, avec une partie sur le continent, une formation de 5 jours pour des gens qui sont déjà intro to tech, qui sont déjà caverne, hein, sachant que vous pouvez faire cette formation caverne avec moi sur Marseille. Vous aurez la possibilité de devenir instructeur tech en suivant cette formation, plus un complément à Cozumel, bien sûr. Vous pourrez aussi devenir dive master tech en faisant la même formation. Si vous êtes simplement dive master en entrée, vous sortirez dive master TDI avec cette formation combinée, donc une formation aux spécificités du dive master tech et aux spécificités de la cave pour avoir le cursus TDI intro to cave. Ensuite, vous pouvez bien sûr suivre les préformations scaphandriers ici à Cozumel et bien sûr nos formations Dive Master qui vont être dimensionnées en fonction de votre niveau d'arrivée. Vous pouvez tout à fait débuter en arrivant niveau 1 par exemple. Voilà, c'était ces quelques mots pour vous parler, pour vous faire la promotion de l'Université d'hiver Aquadomia à Cozumel avec Dune qui est notre partenaire aussi bien à Marseille au Mexique pour cette université d'hiver. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Et autrement, de toute façon, toutes les informations sont sur aquadomia.com où vous pourrez acheter votre formation et réserver directement pour la partie formation, pour le voyage, etc. Il figure aussi quelques informations pour que vous organisiez vous-même votre voyage, votre hébergement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, j'espère à très bientôt, que ce soit à Marseille, Parc National des Calanques, ou ici, à l'Université d'hiver à Cozumel. Un régal. À bientôt.
Aquadomia.